Bonjour, bonjour à tous et à toutes. J'aurais voulu, en tant que doyenne de la faculté polytechnique, vous accueillir en nos murs, vous permettre d'assister aux cours, de rencontrer les assistants, les enseignants, de rencontrer nos étudiants et de finalement intégrer l'ambiance de la Polytech. Malheureusement, étant donné les circonstances de cette année, ce n'est pas possible. Alors, nous avons quand même voulu vous permettre de lever un petit coin du voile et c'est pour cette raison que nous mettons à votre disposition un certain nombre de capsules vidéo qui vous permettent virtuellement d'assister à nos cours de première année. Alors, chacune des vidéos qui est mise à votre disposition est structurée de façon identique. L'enseignant, pardon, va d'abord vous présenter en quelques mots la matière qu'il présente au niveau du cours ainsi que la démarche pédagogique qu'il entreprend. Et puis, vous allez avoir la possibilité d'assister au cours comme si vous étiez un étudiant par vidéo interposée. Alors, je voudrais juste vous dire, pas d'inquiétude si vous ne comprenez pas tout, c'est bien normal. Ces cours sont destinés à des étudiants de première année. Ils ont fini leur réto, ils ont passé l'examen d'admission, ils suivent ces cours depuis un certain nombre de semaines. Donc, il est bien normal que vous n'appréhendiez pas la totalité de la matière. Laissez-vous plutôt bercer par l'ambiance du cours et par les interactions que l'enseignant peut avoir avec ses étudiants. Sachez aussi que la première année est une année particulière parce que c'est une transition entre le secondaire et l'université, et que dans le cadre de cette première année, les étudiants bénéficient d'un encadrement personnalisé, notamment par la présence d'assistants pédagogiques qui leur permettent une interaction vraiment personnalisée, tant au niveau méthodologique qu'au niveau des matières. Petite chose que j'aimerais aussi vous dire, c'est que toute nouvelle matière est bien sûr appréhendée dans le cadre de cours, mais aussi et toujours dans le cadre d'exercices et de travaux pratiques pour pouvoir mettre en œuvre les nouveaux concepts qui sont vus de façon beaucoup plus pratique. Et tout cela combiné avec une démarche projet qui est initiée dès la première année, dès le premier quadri, dès la première semaine. Donc vous êtes véritablement impliqué dans une démarche projet dès l'entrée. Ce modèle de formation, nous l'avons globalisé dans ce que nous avons appelé EngUp pour créer et se créer, parce que nous voulons que nos étudiants, dès la première jusqu'à la cinquième année, bien sûr, apprennent et acquièrent les compétences scientifiques et techniques nécessaires à leur métier, mais nous désirons aussi que progressivement, ils deviennent ingénieurs et choisissent leur parcours personnel professionnel. Voilà, je pense vous avoir donné en quelques mots un grand nombre d'informations. Sachez que nous sommes à votre disposition si vous désirez toute autre information et je vous laisse maintenant découvrir quelques-uns des cours qui sont donnés tant en première année de bachelier général qu'en première année bachelier architecte. Bonjour à tous. En quelques mots, je vais vous expliquer ce que l'on voit, ce qu'on essaye d'appréhender dans les cours de composition architectonique et dans le cours de projet, qui sont deux cours qui sont tous les deux liés l'un à l'autre de façon assez mécanique et assez précise. L'idée, c'est d'introduire aux éléments de l'architecture la structure, les murs, les fenêtres, les toitures, les dalles, enfin bref, tout ce qui fait les éléments qui vont construire, on va dire, les espaces. Mais de montrer aussi que la manière dont ces éléments se structurent les uns par rapport aux autres est très significative des sociétés dans lesquelles on vit et dans lesquelles elles évoluent. Et donc l'idée vraiment, c'est de montrer au travers de l'étude, en l'occurrence ici, de l'architecture moderne, à quel point les compositions sont liées à ces modes structurels. Et donc, suivant les modes structurels qui sont utilisés, on aboutit à des compositions qui sont tout à fait différentes et qui ont des significations tout à fait différentes. Et donc, vraiment, l'objectif, c'est de montrer avec les étudiants, de jouer avec ces éléments,
et de leur montrer que les différents architectes ont des solutions différentes pour ces systèmes de composition qui aboutissent à des compréhensions qui sont très diverses au point de vue architectural. Alors, très pragmatiquement, l'idée dans le cours de, on va dire, théorique de composition architectonique, c'est de montrer, comme je l'ai dit, ces éléments de structure compositionnelle, et dans le but que ça puisse servir aux étudiants dans les cours de projet, puisque le cours de projet, il est demandé de réaliser soi-même des compositions. Et l'idée est vraiment de bien préciser aux étudiants que ces systèmes de composition et ce qu'ils vont employer a une signification dans ce qu'ils veulent dire ou ce qu'ils vont proposer à un client, à des utilisateurs. Et donc, entre le cours de composition théorique et le cours de projet, il y a vraiment un lien qui doit se faire à ce sujet-là. Alors, le lien, en fait, vaut, que ce soit projet et théorie, est plus vaste que ça, puisqu'on ne sait pas parler de cours de composition sans parler évidemment de structure. Donc, il y a évidemment des liens qui doivent se faire aussi avec les cours de structure qui viendront dans les années ultérieures. Bref, je voudrais dire que dans le cours à la fois de théorie et de projet, l'idée, c'est vraiment de centraliser toutes ces problématiques et de montrer comment elles peuvent être réalisées en donnant sens finalement à ce que l'architecte fait, mais également aussi à ce que l'étudiant fait pendant le cours pendant ses compositions et ses, on va dire, ses ateliers d'architecture. Beaucoup plus, peut-être neutre, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais plus minimal, ce qu'on pourrait dire comme ça. C'est une des caractéristiques de l'architecture moderniste. C'est de supprimer toute ornementation. Je vous avais déjà plus ou moins expliqué la semaine passée que ça, c'est une des problématiques de l'architecture moderne, mais ça, on y reviendra par après. Alors, pourquoi voir l'os ? Parce que c'est le premier, en fait, à vraiment écrire sur ce point-là. C'est l'esthétique, cette question de l'esthétique. Et ce qui est assez intéressant chez l'os, c'est qu'il va s'intéresser notamment aux vêtements anglais, justement, l'Angleterre, parce que l'Angleterre est déjà dans un mouvement plus fonctionnaliste que les autres architectures de l'époque. On est encore dans des néoclassiques, etc. Et donc, Adolf Loos est le premier à proposer de... Alors, ça fait scandale à l'époque, hein, faut vous dire, on est dans les années 30, c'est une architecture qui est en rupture totale avec ce qui s'est fait quasiment dans toutes les époques précédentes, mais voilà, on est dans cette optique-là. Et c'est lui qui lance vraiment aussi cette théorie un peu esthétique minimale. Alors, il est aussi assez connu parce que, mais ça, on le verra aussi, il va proposer des types de plans qui sont de nouveau aussi un espèce de mix entre l'architecture palladienne et l'architecture anglaise. En fait, ce qu'il va faire, lui, il va essayer de prendre toutes les pièces de l'architecture anglaise, mais qui sont situées, qui sont dans un volume un peu impur, et va essayer de les mettre dans un volume pur. En fait, il va prendre le volume de Palladio, qui, on verra, est un volume pur, et va essayer de mettre ensemble, vous avez déjà fait ça quand vous étiez petit, vous avez des cubes en bois là, que vous devez ranger dans votre boîte, et à la fin, vous n'arrivez plus à les ranger parce qu'il faut vraiment les ranger de telle façon à ce qu'ils rentrent bien dans la boîte. J'ai jamais eu ça, hein, des cubes en bois. Et c'est toujours la merde parce qu'à la fin, il y a toujours un qui n'est pas bien mis, etc. Donc il faut recommencer le rangement. Ben, en gros, c'est, je caricature, mais c'est un petit peu ce qu'Adolf Loos va faire. Il se retrouve avec plein de pièces de taille différentes et il doit essayer de les ranger. Et une des caractéristiques de l'architecture d'Adolf Loos, on le verra, c'est que pour pouvoir ranger ses pièces correctement, il va les mettre sur des hauteurs différentes et des niveaux différents. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que ça va créer une architecture tout à fait singulière et spécifique qui est propre à la modernité également. Ben, voilà, pour l'instant, ça reste très théorique. C'est ça que je ne vais pas trop m'attarder sur les plans, mais parce qu'on y reviendra, vous voyez qu'on va se retrouver avec des pièces qui ont des rapports différents avec des niveaux différents suivant les usages que lui voudra faire ou suivant les continuités qu'il voudra mettre entre les espaces, suivant la volonté qu'il a de mettre ou pas en contact deux pièces l'une par rapport à l'autre. Ok ? Ça, je vais passer. Maison Melun. Et puis, entre Wright et Loos, qui sont deux architectes qui amènent à la modernité, on verra que Wright comme Loos, ce sont encore des plans qu'on va dire à pièces, c'est-à-dire des plans qu'on va retrouver chez Palladio, qu'on va retrouver dans l'architecture anglaise, c'est-à-dire des plans où un espace correspond à une structure qui définit l'espace. La grande différence, c'est que chez Wright et Loos, au lieu d'avoir quatre murs qui définissent la pièce, on va avoir des colonnes ou on va avoir des grandes ouvertures qui permettent cette continuité.
Mais ça reste quand même des plans dont les pièces sont situées les unes à côté des autres. C'est assez simple d'une certaine façon. Puis arrivera entre les deux, enfin pas entre les deux, mais parce que toute cette époque est assez mélangée. Je simplifie un peu pour vous, mais fondamentalement tous ces gens naviguent plus ou moins dans la même période. Arrive une architecture tout à fait singulière qui est celle de la maison de Steyl. C'est la maison qu'on appelle la maison Schroeder d'un architecte qui s'appelle Gerrit Rietveld, dont vous avez vu déjà la chaise un petit peu plus tôt, hein, la chaise bleue et rouge. C'est à la fois, en fait, le mouvement de Steyl, c'est plus qu'un architecte, c'est tout un ensemble d'artistes, dont Theo van Doesburg, qui est une espèce de maître d'œuvre. Donc en fait, on le verra, le mouvement de Steyl, c'est des peintres, des sculpteurs, des architectes, des poètes, la littérature également est représentée. Ce sont des architectes qui poussent encore, si vous voulez, les principes de l'architecture au-delà d'une certaine façon des limites possibles de l'architecture. Alors je vous avais dit à un moment donné que la gravité, c'est, on ne sait pas s'y opposer. En fait, ce sont des architectes qui vont tout faire pour essayer de faire une architecture qui s'y oppose. Et donc, de nouveau, c'est encore comme Loos. Loos avait une rupture esthétique. Ici, on va voir avec le mouvement de Steyl qu'on va être dans une rupture qui est encore plus fondamentale. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on va parler de ces architectes dont peu de constructions auront été réalisées, vous allez vite comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup d'eux? Parce qu'ils vont avoir une influence notamment très forte sur des gens comme Le Corbusier et Mies van der Rohe. Parce que c'est eux qui vont, si vous voulez, à un moment donné, là où Wright avait commencé à ouvrir les espaces les uns par rapport aux autres, eux vont carrément démolir l'ensemble et faire en sorte que l'architecture ne soit plus aussi cadenassée qu'elle n'était par ces plans à pièces, ces plans qui étaient définis par quatre murs ou quatre colonnes bien définies. On va essayer d'avoir des plans qui sont beaucoup plus, en fait, beaucoup plus libres, comme si on pouvait circuler à n'importe quel endroit, de n'importe quelle façon, un peu comme dans un labyrinthe. Il n'y a pas de pièce, on va un peu dans toutes les directions, et on choisit sa direction. Et donc ces architectes vont essayer progressivement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pour l'instant, parce que de nouveau, on y reviendra. Vous voyez que les plans deviennent de plus en plus complexes, et l'architecture aussi devient de plus en plus... Enfin, on dirait que les murs commencent à s'éviter, que les colonnes ne sont plus dans l'alignement des choses, que... Les fenêtres, vous voyez, on commence à avoir des fenêtres d'angle, alors qu'a priori, à un angle, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, une colonne, hein, parce qu'on a besoin de colonnes pour tenir les angles. Ici, on essaye de supprimer ces éléments qui sont des éléments très traditionnels. Donc là, on dépasse, si vous voulez, vraiment l'architecture traditionnelle, d'une certaine façon, et on voit que les espaces à l'intérieur, ici, ben, vous êtes en fait devant trois pièces, ben, vous ne les voyez pas, évidemment, puisque cette architecture, elle a voulu complètement ouvrir les éléments les uns par rapport aux autres. Alors, pour la petite histoire, on y reviendra, les pièces sont définies. Ben, en fait, normalement, on est censé avoir peut-être un revêtement particulier par pièce, mais vous voyez que cette pièce-ci a déjà plusieurs revêtements au sein de la pièce. Tout est fait pour essayer de détruire, d'une certaine façon, la logique traditionnelle de fonctionnement des espaces les uns par rapport aux autres. La seule chose qui peut être établie, vous voyez ici, vous avez des portes, en fait. Enfin, vous voyez, vous devinez, on peut deviner des portes. En fait, vous avez trois systèmes de portes ou quatre qui permettent de refermer les espaces les uns par rapport aux autres pour pouvoir vivre à l'intérieur. Puisque là, on est dans une...